Mes sensei, donc actuellement, c'est Ilse. J'ai eu un maître japonais et mon chat, Clotilde. Voilà. C'est l'équivalent du chaos, quand le partenaire tombe avec force et vitesse sur le dos, mais tu peux aussi le marquer au sol avec une immobilisation, une clé de bras ou un étranglement. Ça signifie en tout cas que le combat est gagné. C'est un peu comme l'équivalent du chaos en boxe. C'est le point intermédiaire, donc il faut en marquer deux pour arriver au hippon. C'est quand le partenaire tombe sur le côté à 90 degrés ou un petit peu sur le dos, mais que ça n'a pas été vraiment un mouvement exécuté à la perfection où on tombe sur le dos force-vitesse. Et donc c'est l'équivalent d'un point dans le combat. Ça, c'est quand le combat commence, donc juste après le salut, c'est le signe voilà, qu'il faut aller à l'attaque. C'est ce que je porte là actuellement. Alors on a deux types de judogi, des blancs et des bleus en compétition. Mais le traditionnel, c'est celui de couleur blanche, mais qui est beaucoup plus salissant pour la lessive. Kumi, à mon avis, c'est alors, le mot kumikata qui est en fait la garde, la prise de garde. Un sensei, c'est un maître ou une maîtresse, il faut être inclusif. Mes sensei, donc actuellement, c'est Ilse. J'ai eu un maître japonais et mon chat, Clotilde. Voilà. Ça, c'est quand le combat s'arrête. Lorsqu'il y a une interruption, l'arbitre dit maté. Il y a un problème avec la lumière? Ah, merde. On reprend le maté? Donc, quand l'arbitre voit que le combat n'avance plus, il dit maté et le judoka se remet à sa place. C'est l'immobilisation, donc quand on arrive à retourner quelqu'un, l'arbitre dit osai komi, ça veut dire que l'immobilisation commence et il faut tenir son adversaire pendant 20 secondes pour gagner le combat. Ça, c'est la disqualification. Donc on peut être disqualifié soit pour un geste antisportif, voilà, il y a toutes sortes de disqualifications, ou si on accumule 3 pénalités, alors là également c'est ansukumake. C'est la fin du cours. Quand un cours se termine complètement et que le travail est terminé, ils disent « allez à la troisième mi-temps ». Non, c'est pas ça la traduction littérale, mais presque.